L'œnotourisme, c'est un mot très compliqué et même un peu prétentieux. On va parler d'accueil. Le vigneron qui veut vendre du vin chez lui, il doit accueillir ses visiteurs. Il doit donc tout simplement afficher des horaires et respecter ses horaires. Il doit ensuite afficher ses tarifs et respecter ses tarifs. Il doit enfin faire déguster ses vins. Mission normale, on ne demande pas des choses extravagantes, avoir des verres à dégustation, et des verres propres, avoir un petit grignotage à côté, avoir un caveau joliment présenté. Il doit avoir des toilettes, il doit avoir un parking. Oh, vous voyez, je ne demande pas des choses très considérables. Mais tout ça, c'est dans des chartes. Et dans le label Vignoble et Découverte, ce sont des conditions indispensables pour être labellisé et pour faire l'objet d'une promotion nationale.